Sinon, de remercier très très chaleureusement le docteur Azmaïs d'être revenu encore une fois. Vous aviez lu certains sans doute le compte-rendu que Claudia Achour avait fait dans les nouvelles de l'intervention d'il y a un an. Il a carte blanche, c'est-à-dire il nous parle de ce qu'il a envie de nous partager. Il sait qu'il y a des personnes ici qui ont une démarche spirituelle, qui ont une ouverture et une attente aussi d'entendre quelqu'un parler d'un cheminement, d'une culture, d'une tradition. Donc, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette rencontre entre le soufisme et l'anthroposophie. M'intéresse d'exposer ici, c'est la place du cœur dans le soufisme. Le cœur, c'est l'instrument de contempler la face de Dieu, là où le contemplateur perçoit la face de Dieu, la face du Rab, et dans le reflet de ses yeux, le personnage contemplé contemple son contemplateur. En fin de compte, le point principal, c'est le cœur dans le soufisme. Pour chaque soufi, le principe est de connaître son cœur. Ahmad Razali, l'un des maîtres les plus renommés du soufisme, il y a 900 ans, il a écrit un livre intitulé « Ajaib al-Qalb », les merveilles du cœur. Najmuddin Razi, Najmuddin, il a vécu au moment de l'invasion mongole, 7e siècle après l'Hégira. Alors, de son côté, il a écrit un livre intitulé Mersadul Ebar, Minad Mabed El Ma'ad, Le voyage de l'être humain vers la perfection, de l'état de fœtus. Janin jusqu'à Janan, c'est-à-dire l'éternité, en passant par Jahan, c'est-à-dire l'univers, pour connaître Yazdan. Donc ces quatre mots sont très très importants dans le soufisme. Janin, fœtus, Jahan, le monde, l'univers, Janan, paradis, et Yazdan, le créateur. Le nom en arabe de son livre, c'est Mersad al-Ebad, Min al-Mabda, le point de départ, El al-Ma'ad, la destination finale. Et il explique les techniques employées par les soufis pour développer leur cœur afin d'assurer leur évolution substantielle vers la perfection. Donc, la place du cœur est sans égal dans la méthode des soufis de développement mystique. La structure cellulaire du corps de chaque individu est composée des éléments matériels. La constitution de ce corps élémentaire, body, âme, badan, se coïncide avec la conception du fœtus dans le ventre de sa mère. Au 40e jour de l'apparition du fœtus, les cellules constituant le tissu cardiaque commencent à palpiter selon un rythme particulier. Au 4e mois, le souffle divin apparaît dans le corps du fœtus et prend place à un point spécifique du cœur, nommé selon les soufis Soveida, le petit point noir dans le cœur. Selon les maîtres soufis, pendant ce laps du temps, entre le commencement du battement cardiaque et la descente de l'effusion de la rosée divine,
le rythme du battement du cœur propage une mélodie d'invitation sur la fréquence de tan tan tana. Dar tan dara. Entre dans le cœur. C'est pour inviter l'esprit de pénétrer dans le corps. La vie de chacun de nous commence avec la vie de notre cœur. Mais bien sûr, nous savons pas avec l'arrêt du fonctionnement du muscle cardiaque. Les avancées technologiques permettant de la transplantation du cœur, changer le muscle cardiaque, remplacé par une pompe artificielle assurant la circulation du sang dans les artères et veines. Mais est-ce que le cœur est une simple pompe? Les maîtres spirituels parlent de 7 couches superposées du corps, à savoir sacre, albe, chérof, fourte, habbatulral, sauveillor, manjatulral. Sauveillor, comme j'ai expliqué, signifie le point noir. Les soufis pensent que la place de sauveillor se trouve dans la partie inférieure du cœur, quelque part situé dans la cavité de la ventricule gauche. Bien sûr, les chercheurs ont pris soin de mettre en œuvre les moyens de la technologie les plus avancés pour observer point par point l'ensemble des tissus du muscle cardiaque, mais ils n'ont pas trouvé la trace d'aucun point noir. Donc la question se pose à ce sujet. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi sauver d'or et non sauver d'or, de point noir dans le cœur, alors qu'il n'y a pas de point noir dans le cœur? De quoi s'agit-il exactement? Alors, pour répondre à cette question et résoudre ce mystère, il faut savoir que le noir ici ne signifie pas la couleur d'un amas cellulaire concernant une partie quelconque du cœur, mais simplement l'impersonnalité de cet endroit. De même que dans l'astrophysique, nous appelons une partie de l'espace le trou noir, ce qui veut dire la partie invisible de l'espace, d'où aucune information ne sort. Selon des calculs mathématiques, de l'anatomie intérieure d'un point noir, on connaît tout sur le point noir et son pouvoir de visionner, de voir, de percevoir. On sait que le point noir existe dans l'espace à cause de la perte d'information. Alors, c'est par la perte de l'information dans un point de l'espace que l'on découvre la présence d'un point noir. En d'autres termes, la description du noir est très particulière. C'est comme le fait qu'on appelle 80% de la masse cosmique qui emplit l'espace sans fin et sans condition, dark matter et dark energy. Ici, il y a une question. Donc l'espace, selon les découvertes récentes de l'astrophysique, n'est pas vide, mais empli d'une substance imperceptible par nos cinq sens, par nos capacités sensorielles et par les instruments technologiques tels que le télescope spatial, radiotélescope, microscope, etc. Dans le jargon des sages de l'Orient, l'existence absolue et sans condition est un être sans commencement ni fin, hors du temps et de l'emplacement, créateur de l'univers tridimensionnel ou Shahadat. Et l'univers multidimensionnel imperceptible pour les cinq sens nommé Al-Ghayb. Et est comparable à un océan sans limite, entourant et englobant l'univers tridimensionnel, composé des astres, des galaxies, des systèmes solaires, des planètes, des comètes, des astéroïdes, flottant comme
des énormes sous-marins dans cet océan invisible en déplacement interminable selon leur trajectoire spatiale. Mais les moyens d'observation que nous avons, nos cinq sens, sont fabriqués du même support qui compose l'univers tridimensionnel, donc capable de percevoir et voir l'univers tridimensionnel et uniquement le monde tridimensionnel. Tout ce qui existe et son existence est confirmée par les calculs mathématiques, mais pas perceptible par les cinq sens et qualifié par la science moderne de la description de dark. Dark signifie invisible. Finalement, dans le muscle cardiaque, il y a un point noir. Les soufis ont fait la découverte de ce point et le qualifient point noir parce qu'ils le considèrent comme l'ouverture de l'espace multidimensionnel. Or, la mode ray, selon les soufis, la rosée, le souffle divin, passe à travers ce passage du monde imperceptible dans le corps de l'être humain de chaque individu. Le souffle divin est la conscience, le moi, le self, real self, de chaque individu. Sa demeure est le cœur, alors que la demeure de l'ego, le gérant du système corporel, est le paléocortex. Dans le jargon des soufis, il est nommé « an-nafs ». Et la partie superposée comme casque sur le paléocortex s'appelle « néocortex », la demeure de l'intelligence, « al-aql ». Ainsi, l'homme est composé de sept étapes « an-nafs », « al-aql », « al-qalb », « al-ruh », « as-sir », « al-khafi », « al-akhfar ». Les deux premières étapes sont situées dans la partie matérielle du corps, dans la tête, alors que la troisième étape est située à la fois dans la partie matérielle et non matérielle, cela veut dire le cœur. Les quatre autres étapes se trouvent dans le monde astral et imperceptible. Ruh, Sir, Khafi et Akhfar sont les étapes supérieures de chaque individu avec une capacité immense de la perception suprasensorielle permettant à chacun de contempler le côté immense et invisible de l'existence. Le point noir du Soveida est en fait un tunnel entre les deux espaces visibles et invisibles, perceptibles sensoriellement et perceptibles suprasensoriellement. C'est pour cette raison que le cœur est nommé Al-Qalb, bisidal, which turns between two sides, al-balb. C'est la signification du mot de balb, le cœur. Le point noir ou sauveur dans le cœur est l'observatoire du soufi pour contempler l'univers lumineux, le noir illuminant ou nourissia, noir illuminant. D'autre part, c'est par le tunnel de Soveida que le souffle divin passe et apparaît dans le corps de chacun de nous. Les soufis comparent la relation entre le corps et l'esprit à la relation entre la feuille d'une plante et la rosée. La plante est issue de l'argile de la terre, alors que la rosée est issue de la brise matinale, l'effusion céleste à l'eau. La rosée n'est pas engendrée par la plante. Il apparaît sur la surface de sa feuille pour un laps du temps et il disparaît. Il vient d'ailleurs et un jour il fera retour vers son origine. La rosée, issue du souffle divin, est consciente d'elle-même. Elle est porteuse de la conscience du monde de l'au-delà dans son monde ici-bas, dans le corps de chaque être individu. Et elle est confrontée pour toute la période de cohabitation avec l'ego, un nafs, l'ensemble de désirs charnels et de complexes, les flux sans cesse de sécrétion hormonale, il y a une confrontation
interminable entre le réel self et le false self, entre l'ego, anas et argon. Alors, pour le soufi, la conscience et le subconscient, dans le sens freudien du terme, reste dans le domaine du fonctionnement cérébral et n'a rien à voir avec la conscience du cœur, dont la demeure est sauvée d'ordre. Cet état de conscience est un immédiat de conscience. Le vrai self, réel self, est le représentant du divin sur la terre, dans le monde matériel, dans le monde tridimensionnel, alors que le false self, l'ego, est le représentant de Ahriman dans le territoire de l'existence individuelle de chacun selon la vision du monde soufi, je parle. La place du cœur selon la vision du monde de soufi et pour démontrer que c'est en continuité de la sagesse orientale, c'était le sujet développé dans l'université de Bangui-Chapour à peu près 300 ans avant l'apparition de l'islam et du Coran. Dans le Coran, dans le texte coranique, on voit l'ensemble d'explications sur l'apparition du fœtus et le développement du fœtus pendant 9 mois. Très très précisément et en détail, dans le ventre de sa mère. Alors que c'était impossible d'avoir des laboratoires de l'université, des centres de recherche, etc., de péninsule d'Arabie. Donc, comme j'expliquais dans le livre que j'écris, il y avait cette science de se connaître, de connaître l'histoire, qui était le sujet le plus important d'apprentissage dans l'université de Bangui-Chapour. Et ça a été propagé partout dans le monde, spécialement vers le sud de la Syrie, là où s'appelait la région de Golan, là où il y avait une ville nommée Bosra, avec un centre de recherche spirituelle très très important, où la famille et les parents des ancêtres du prophète Mohammed faisaient la fréquentation. Il y avait beaucoup d'eau. À leur retour, entre Bosra et Mekka, c'était lors d'un de ces voyages que le prophète Mohammed a été né. Au sein de Mekka, la cité de Mekka, il y avait un madrasé, il y avait une sorte d'école qui dépendait du centre de Bosra, qui dépendait de l'université de Bangui-Chapour.